salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, si ça vous intéresse, c'est parti. Ok, comme vous avez constaté, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai hydraté mes lèvres et mon visage. Donc comme d'habitude, je vais commencer par mes paupières. Bien évidemment, je vais mettre une base sur mes paupières avant de mettre des couleurs. Je vais utiliser la LA Pro Girl en teinte Warm Honey directement sur mes paupières. Et je vais aller estomper en fait la couleur, le correcteur pardon. Donc ou vous utilisez une éponge ou un beauty blender, ou bien vous utilisez un pinceau comme ça assez grand et vous tapotez en fait. Surtout ne pas balayer, sinon tout le correcteur va partir et puis ça va faire n'importe quoi sur votre paupière. Donc c'est mieux de tapoter. Donc une fois que j'ai terminé ça, bien entendu je vais aller fixer ma base avec un peu de poudre translucide. J'ai utilisé la Ben 9, la banana powder. Vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la palette de la Morphe Brush. J'ai utilisé la 35 OM. Je sais pas si ça se voit ici, mais bon, c'est écrit là. Et j'aime beaucoup ces palettes-ci parce qu'il y a beaucoup de couleurs et il y a beaucoup de choix en fait. Donc sur cette palette-ci, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs chaudes, donc ça m'intéresse. Donc je vais commencer par celle-ci. Et la première couleur que je vais aller utiliser est celle-ci. Donc je vais prendre un pinceau assez large. Et je vais au-dessus de la paupière mobile et je passe la couleur. On va l'utiliser comme une couleur de transition, ok? Donc vous voyez, je suis juste au-dessus du pli de la paupière. Voilà. Et je passe banalement la couleur sans mettre de pression sur mon pinceau comme d'habitude. Alors la prochaine couleur, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est toujours ça tire toujours sur la couleur orange. Ok, sauf que celle-là, elle a un tout petit peu plus foncé que la première. Donc j'utilise le même pinceau, j'ai pas changé du tout et j'ai toujours sur la même place, c'est à dire au dessus du pli de la paupière, et je fais des mouvements va et vient, hein, sans mettre de pression quoi. Genre j'appuie pas vraiment sur mon pinceau, j'appuie vraiment pas. Donc je suis là, tout doucement je mets la couleur, tout doucement. Je reprends un peu de couleur et ce que j'aime bien faire, c'est de rester vraiment sur le côté externe de ma paupière. Vous voyez, je fais des mouvements circulaires ici et je repars sur mes mouvements va-et-vient. Donc aussi simple que ça. Et j'appuie pas, je vous répète, j'appuie pas sur mon pinceau. J'en suis vraiment délicate quoi. Donc bien entendu, on va continuer avec nos couleurs chaudes. Donc je vais utiliser cette couleur qui est super orange. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un autre pinceau et là j'ai déposé, vous voyez, tout doucement la couleur à l'extrémité comme ça, et je vais vers l'externe mais tout en tapotant quoi. Donc je dépose ça tout doucement, voilà, je veux que la couleur elle adhère bien à ma paupière en fait. Comme c'est un peu poudreux, je veux pas que ça tombe, donc je suis bien à l'externe comme ça, je tapote vers l'intérieur mais je vais pas vraiment vers le coin de l'œil. Je reste bien avant, ok? Donc je tapote comme ça, je tapote comme ça et voilà, voilà, je tapote comme ça, je tapote comme ça. Donc maintenant je peux estomper, je fais des mouvements circulaires au niveau du côté externe et je vais vers l'interne, ok? Donc tout en faisant des mouvements circulaires, comme ça. Et je vais pas vraiment vers le coin de l'œil, hein. Vous voyez, je m'arrête là et je repars. Ok, dès que j'ai terminé avec ça, je vais prendre une couleur assez foncée. Donc je vais utiliser cette couleur rouge.
Aujourd'hui, on va faire un mélange de beaucoup de couleurs. Que j'ai une idée en tête, même si elle n'est pas vraiment développée. J'ai essayé d'y arriver. Donc, toujours avec mon même pinceau, je prends ma couleur et je fais la même chose qu'auparavant. J'ai tapoté. Hein? Je tapote bien pour que ça s'adhère bien à la paupière. Vous voyez, je pars toujours de l'extrémité et je vais vers l'intérieur. Ok, c'est ce que vous devez faire. Et puis ensuite, je commence les petits mouvements circulaires sans trop appuyer. Donc ensuite, on va commencer avec les couleurs beaucoup plus foncées. Donc je vais commencer avec cette couleur-ci. C'est un marron assez foncé. Donc, et je vais prendre un pinceau assez petit, ok, pour aller la déposer, déposer la couleur en fait dans le pli, carrément dans le pli de la paupière, comme ça. Donc je suis bien dans le pli de la paupière. Vous inquiétez pas, là on dépose, après on va estomper, ok. C'est toujours que je pars de l'extérieur et je vais vers l'intérieur comme ça. Et là, je vais prendre un autre pinceau et je vais aller estomper. Donc, vous voyez, je suis beaucoup dans le pli de la paupière. Je dépose juste la couleur et puis ensuite, j'estompe. Je prends un pinceau un peu plus grand et j'estompe. Et toujours estomper avec beaucoup de délicatesse. Je fais des mouvements va-et-vient, je fais des mouvements circulaires vers l'extrémité. Donc ça va m'aider à, comment dire, à bien distribuer la couleur sur toute la paupière. Ok. On reste bien dans le creux de la paupière. Vous voyez, je suis bien dans le creux de la paupière. Et j'estompe bien le produit que je viens de mettre. Okay, une fois que j'ai terminé, je vais faire bien évidemment un cut crease. J'ai utilisé mon correcteur de tout à l'heure, celui de chez Elle Girl en teinte Warm, Honey. Donc je vais mettre cette couleur en premier. Puis après, je vais utiliser la couleur orange. Je vais faire ça comme un eyeliner. Par devant, je vais utiliser cette couleur blanche. Qui ressemble à une couleur blanche en fait. Je reprends la couleur que j'ai mis en premier pour bien marier les couleurs, la couleur blanche et c'est celle-ci en fait que je suis en train de mettre. Voilà. Ok, bon, une fois que j'ai terminé, je vais utiliser mon eyeliner de chez NYC. Je vais pas vraiment faire une ligne haute, j'ai pas très envie. Ce que je vais faire une petite ligne. J'espère que je vais réussir parce que j'ai pas envie de tout foirer. Donc, attends, je vais commencer par ici. Donc, je vais faire ça. Et je vais prendre ma dernière couleur foncée que j'ai mis auparavant là. Et je vais essayer de camoufler un peu mon eyeliner. Voilà. Donc je vais laisser ça comme ça, ne pas faire un eyeliner trop long sur le côté.
Donc je vais mettre un peu de couleur marron qui va camoufler en fait la fin de mon eyeliner. Comme ça. Ok, donc je dépose la couleur. Et je vais tomber. Là, je suis vraiment à l'extrémité. Hein. Je ne vais pas plus loin. Je suis vraiment là. Je ne vais pas vraiment loin. Je suis vraiment à l'extrémité. Et là, on marie les couleurs. Voilà. Côté de l'extrémité. Comme ça, on ne voit pas vraiment l'eyeliner, la fin de l'eyeliner en fait. Donc, avec les fossiles, ça donne ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais mettre mon crayon noir juste au-dessus, comme ça, de ma muqueuse. J'ai l'impression que c'est pas assez noir. Et je vais mettre même en dessous comme ça. Ok, donc avant de continuer, quoi que ce soit sur mes yeux, quoique je pense que je peux m'arrêter là, même, je sais pas. Je vais passer au visage. Donc on va commencer à maquiller. Ok, bien évidemment, je vais commencer par nettoyer tout ce qui est tombé sur mon visage. Tout ce qui est résidu en fait. Et puis ensuite, comme primer, je vais utiliser celui de chez Ellie Girl Pro Prep. Donc je commence toujours par ma zone T, bien évidemment. Et puis ensuite, comme fond de teint, je vais utiliser celui de chez Clinique Anti Blemish. J'ai le numéro 07 Fresh Golden. Donc en fait, je ne me rappelle pas si c'est ma teinte ou pas. Donc je vais essayer. Je crois que ça peut aller. Et puis ensuite, je vais commencer à mettre un peu de lumière sur mon visage. Donc je vais utiliser ces deux-ci de chez Ellie Girl. J'ai la teinte Fawn et la teinte Warm Honey. Je vais les mélanger en fait. Et puis ensuite, je vais estomper le tout très délicatement. Alors, comme contouring, je vais utiliser ma palette de chez NYX et je vais utiliser la couleur plus foncée. Donc, j'ai direct dedans, puis voilà. Et je commence à mettre la couleur. Et déjà, vous voyez que ça ressort. Ensuite, je vais utiliser ma poudre translucide de la W7 pour fixer mon correcteur plus clair. Donc, j'en mets juste un tout petit peu. Ok, ensuite je vais passer à l'étape supérieure. Je vais prendre ma poudre de chez MAC et je vais aller effacer tout ce qui est excès de poudre sur mon visage. Et puis en plus, je vais fixer le reste de mon visage. Ok, j'en prends juste un peu, j'exagère pas du tout. Vous voyez, je fais des mouvements circulaires. Et j'équilibre tout ce qui est couleur sur mon visage. Ensuite, comme contouring, je vais utiliser cette palette de la Lipo Cosmétique. Et je vais utiliser cette couleur en fait qui se trouve ici, ok. Et là, je vais mettre un peu de couleur sur mon visage. Donc, je vais sur l'extrémité de mon front. Et je mets la couleur en allant vers mes cheveux. Et puis j'allais utiliser ce blush ici, qui ressemble à une couleur orangée.
juste couleur à mon visage. Alors, comme highlighter, je vais utiliser celui de chez MAC, c'est le Soft and Gentle. Je vais délicatement poser ça. Là, vous en mettez où vous voulez. Hein. Moi, j'en mets un peu partout. Et puis ensuite, spray. Donc, je vais utiliser celui de chez MAC, brume fixante. Ok, donc je vais retourner aux yeux. Je crois que je vais mettre un peu de couleur orange. Ensuite, je vais reprendre en fait mon highlighter de tout à l'heure, le Soft and Gentle de chez MAC. Et je vais ajouter ça un tout petit peu vers mes sourcils. Et je vais mettre ça aussi dans le coin de l'œil, comme ça. Ensuite, sur mes lèvres, je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Astra, c'est le numéro 06. C'est un nude que j'ai passé directement sur mes lèvres. Et puis ensuite, je vais mettre un gloss. J'utilise le gloss de chez Lipo Cosmetics, c'est un gloss simple. Ensuite, je vais mettre le mascara de chez Kiko. Et ça y est, on a terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que c'est un look qui vous plaît, que vous pouvez réaliser facilement. En tout cas, c'est vrai, beaucoup de couleurs chaudes, une seule couleur froide, blanche et tout. Mais c'est beaucoup plus de couleurs chaudes, donc vous voyez aussi sur le visage beaucoup de couleurs chaudes. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez me laisser des pouces bleus, ok. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est un maquillage que vous pouvez réaliser facilement ou bien si c'est trop compliqué. Donc moi je vous laisse. N'oubliez pas de partager aussi si ça vous va de partager. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et puis ensuite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, je vous attends. On va élargir la famille et j'espère que voilà mes tutos, vous les kiffez. Et je vous embrasse, on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.